Bonjour, je suis Julien et avec vous, je vais passer une journée dans la vie d'un agent d'accueil de déchetterie. On met ça où? C'est sans doute la phrase qu'ils entendent le plus. Sachez que chaque mois, 38 800 passages d'usagers sont enregistrés dans les différentes déchetteries de la Carène. On met ça où? Hein? On met ça où? Alors Didier, on va passer la journée ensemble. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe la journée ici à la déchetterie. Pour commencer, c'est quoi justement ton début de journée? Moi, j'arrive vers 10h moins le quart. Ouais. Je mets mes EPI. Mmh. Je prends mon dati pour travailleur isolé. Ouais. Donc le téléphone qui doit toujours être en position verticale. Dès qu'il bouge allongé, ça sonne. Je vérifie ce qui est les consignes de la veille. Ouais. Je regarde les mouvements de benne de prévu. Mmh. Je fais un tour dans le site, sur le site. Je regarde s'il y a eu un dépôt sauvage. Mmh. Ça arrive souvent, ça? De temps en temps. Ouais. Pas trop, mais de temps en temps quand même. D'accord. Et puis, donc, tu disais les dégradations? Oui, le grillage, le portail, les chaînes, si rien n'a été fracturé. Maintenant qu'on a fait ça, les usagers attendent. Est-ce qu'on va les faire rentrer? Pas encore. Ouais. J'ai mes caissons à ouvrir, ferraille, les D3E, c'est-à-dire les appareils électriques. Et après, j'attends juste l'ouverture pour faire l'ouverture aux usagers. Est-ce qu'il y a des précautions particulières quand on ouvre certains caissons? Oui, le caisson DMS, c'est-à-dire les produits dangereux, les peintures, les produits de nettoyage. Ouais. Certains produits peuvent être dangereux, les phytosanitaires, c'est-à-dire tout ce qui est produits de jardin, mm-hmm. les comburants, les vases, les acides. Donc, il faut porter un masque, des gants spécifiques. Oui, il faut se méfier, quoi. Voilà, il faut se méfier, toujours. Se méfier. Toujours. Okay. Tout est prêt maintenant, on va pouvoir ouvrir. On peut ouvrir, les usagers qui attendent peuvent rentrer. Ouais. Ils vont venir déposer leurs déchets. Et souvent, ils sont là depuis longtemps. Hein. Certains, une demi-heure à l'avance, des fois. Ah, oui. Même plus que des fois. Et déjà, il y en a qui font demi-tour et qui reviennent un peu plus tard. Dis-moi voir, qui sont les usagers de la déchetterie? Donc, c'est la population de Saint-Malo-de-Guersac, des communes environnantes. Et puis, voilà, ça peut être des professionnels, ça peut être des particuliers la plupart du temps. Ça se passe toujours bien avec eux? En grande majorité, oui. Il y a toujours des petits récalcitrants, ouais. Voilà, mais bon, avec un peu de sourire, avec un peu de politesse, on essaye de... Ouais, c'est important, de ta part en tous les cas, qu'il y ait du sourire, de politesse et de l'accueil, quoi. Tout à fait. Tu es là pour ça. Oui, je suis là pour ça. Et avec les chauffeurs prestataires, ça se passe comment? Ça passe bien. En général, très bien. On s'entend bien. Quand on a besoin d'un coup de main, ils sont là pour nous aider. On peut modifier un peu nos mouvements de benne qu'on a demandé. Si on voit qu'une benne s'est remplie plus que l'autre, et on s'arrange comme ça. Les usagers, justement, on les aide ou pas? Non, nous ne sommes pas censés les aider. Ils doivent déposer eux-mêmes les déchets qu'ils apportent. Il y a des cas particuliers? Les personnes âgées, ouais. Les handicapés. Donc on les aide de bon cœur, de toute façon, bien sûr. Et sinon, quand ils ont des apports assez lourds, genre canapé ou une grosse télévision. Alors justement, tu parlais de poids, de charge. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des gestes et postures à conseiller? Oui, bien sûr, il faut faire les genoux et flexion, faire attention au dos, le dos bien droit. Mmh. Je t'ai vu là-haut sur la plateforme, tu gères tout, hein. C'est toi qui fais la circulation. J'ai pas le képi, mais il faut faire la circulation. Ouais. Et des fois, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que là-haut, ça se chicore? Oui, les gens, ils avancent, ils font pas attention à leur environnement, ouais. Ils font pas attention si des gens vont partir, si des gens vont dételer. Ouais. Donc, faut modérer. Puis leur dire de pas monter trop vite non plus. Tiens, puisqu'on est sur la plateforme, les enfants sont interdits. Oui, ça part d'une bonne intention parce qu'ils veulent montrer le tri à leurs enfants. Ouais. Mais nous, c'est impossible. Un petit bout de chou qui s'emballe entre les voitures, les conducteurs ne peuvent pas les voir. Et donc, il faut que les enfants restent dans les voitures. Entre nous, la récupération, on a le droit ou pas? Interdit, Julien. D'accord. Interdit. Mais parfois, si on te demande un petit bout de bois, un petit truc qui traîne, tu fais pas de... Non, c'est interdit. On est interdit. Et pour les agents? Complètement interdit. D'accord, ok. Donc, Julien. Bon, donc on en a parlé. On passe à autre chose. Hein? On passe à autre chose. On va passer à autre chose. Quand les bennes sont pleines, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça déborde. Quand ça déborde, il va falloir prévoir le mouvement de benne auprès du prestataire pour le lendemain. Ouais. Donc, les faire la demande en fin de journée et pour qu'elle soit enlevée le lendemain. Quels sont tes outils pour ça? Donc, on a un outil qui s'appelle Kizéo. D'accord. Par ce smartphone. Mmh. Donc on indique tous nos flux, les bennes, bennes bois, bennes métaux, ou pour les appareils électriques, ou pour les produits dangereux, voilà. Et donc c'est un outil moderne qu'on a depuis peu, mais qui est utile.
Et au moment des changements de benne, est-ce qu'il y a des consignes de sécurité particulières ? Oui, plusieurs, Julien. C'est le chauffeur, quand il arrive avec sa benne vide, il rentre dans la déchetterie, il doit fermer un ruban derrière lui pour que les usagers s'arrêtent devant. Ouais. Il ne ferme pas le portail. Non, pour pas que les usagers pensent que c'est fermé ici. Ouais, il ferait demi-tour. Ouais. Voilà. C'est juste un ruban, ils peuvent s'avancer devant le ruban et ils attendent que les mouvements se fassent. Moi, j'attends que le chauffeur enlève ses bennes. Oui. Si j'ai du nettoyage en bas de quai, je le fais, je préviens le chauffeur. Il arrête son moteur du camion, il bâche sa benne pendant que moi je nettoie. J'installe mes plots pour prévenir que je suis bien là. J'ai pris mon casque pour être en bas de la plateforme pour éviter les chutes de déchets qui pourraient éventuellement être envoyés par les usagers. Ouais. Et puis une fois que j'ai fini mon nettoyage, j'avertis le chauffeur, j'enlève mes plots, je remonte sur la plateforme. Lui, il met ses bennes en place, je le guide s'il y a besoin. On remet nos ridelles en applique contre les bennes et on peut les rouvrir. C'est incroyable comme le temps passe vite parce que la journée est déjà terminée. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant avant de fermer les portes de la déchetterie ? Nettoyage, la plateforme, la laisser propre pour le lendemain, les locaux, les bureaux, les sanitaires. Et bien sûr, remplir le carnet de liaison pour indiquer les mouvements de bennes qui ont été demandés et les collectes prévues par les différents prestataires. En un mot, il faut être de bons camarades, quoi. On aime bien retrouver propre, donc laisser propre. Merci beaucoup de nous avoir accueillis sur la déchetterie. Avec plaisir, Julien. À bientôt. À bientôt, Julien. Je suis agent d'accueil. Je porte les EPI haute visibilité. En tant que travailleur isolé, je n'oublie pas le GSM PTI et pour la manipulation des produits dangereux, les protections complémentaires. Lors d'interventions en bas de quai, le port du casque est obligatoire et sur le haut de quai, je suis attentif aux manœuvres de véhicules et à la circulation des piétons. Il y a en plus des risques de chute dans les caissons. Lors des échanges de caissons, je dois strictement respecter les consignes de sécurité et les zones de manœuvre.